Mon nom est Marc Verrière, je suis professeur retraité au département des sciences historiques de l'Université Laval à Québec. Et mon dernier ouvrage s'appelle Courtier et entrepreneur, le courtage financier au Québec de 1867 à 1987. Alors, c'est un ouvrage qui porte sur un petit groupe d'entrepreneurs très importants dans le secteur financier, les courtiers. Alors, ne pas confondre avec les courtiers immobiliers. Et ce sont des courtiers qui sont spécialisés dans l'achat et la vente d'obligations et dans le financement des gouvernements, des entreprises, mais aussi qui gèrent les épargnes de leurs clients et de l'ensemble de la population du Québec. Donc, c'est un groupe qui a aussi s'est donné un marché qui est, lui, plus connu, c'est la Bourse. Donc, la Bourse de Montréal au Québec, qui est la propriété des courtiers et où s'effectue l'ensemble des transactions. Alors, on suit ces jours-ci le cours de la Bourse à la baisse. Parfois, il est à la hausse. Et ça reflète l'ensemble des activités de courtage dans l'économie. Les courtiers au Québec ont une importance assez considérable, en particulier pour les entreprises et les gouvernements francophones. Et c'est important de pouvoir se financer par la communauté francophone, et les courtiers ont joué un rôle très important à ce niveau. C'est un projet qui m'a intéressé et qui résulte de mes recherches doctorales sur le financement du gouvernement du Québec, et qui, justement, a abouti à un ouvrage qui a également été publié chez Septentrion en 2015, qui s'appelait « Le Québec emprunte ». Et dans le contexte de cette recherche-là, plus récemment, j'étais en contact avec l'Institut de recherche en économie contemporaine de Montréal, qui, eux, faisaient un petit projet sur l'histoire du courtage, et c'est la jonction de ces deux intérêts qui a permis la construction, finalement, de l'ouvrage sur l'histoire du courtage financier. Il y a eu plusieurs générations de courtiers au Québec qui, c'est ça, parmi les francophones, en particulier au 19e siècle, au début du 20e siècle, la maison Forget, Louis-Joseph Forget et Rodolphe Forget, qui ont, pour les francophones, été les premiers vraiment à exercer cette activité-là à grande échelle et à intervenir dans l'histoire des entreprises. Ensuite, dans les années 1910-1920, on parle plutôt de Louis Gaspé-Beaubien et de plusieurs petits courtiers francophones qui ont bâti leur maison progressivement et au gré de l'évolution des marchés financiers. Ils ont connu une bonne croissance dans les années 1940-50. Et c'est le noyau qui, avec ceux qui ont été formés aux études commerciales ou dans les sciences financières, qui a été très important lors de la Révolution tranquille, pour financer la Révolution tranquille et pour également s'occuper des finances des grands organismes publics comme l'Hydro-Québec, la Caisse de dépôt de placement, le Québec Inc., qui a réussi à se financer en bonne partie grâce à l'expertise de cette génération de courtiers francophones au Québec. Alors, c'est l'occasion, en fait, pour le grand public de se familiariser avec cette activité-là qui contribue encore au développement du Québec.